belles sensations de bien-être, caressé par l'éclat et la douce chaleur du soleil dans l'air printanier. J'étais assoupi, sans bouger sur le banc du jardin public. Seul, ma tête était penchée en avant. Mais ça n'avait pas duré plus qu'une demi-heure. Je le savais, puisque l'ombre du soleil n'avait que peu avancé pendant mon sommeil. Le jardin resplendissait, tout de vert vêtu, un vert plus dur que celui de l'été. Voilà, une journée magnifique, où il faisait bon être amoureux, merveilleusement amoureux. Amoureux et jeune, en avoir le vertige, et heureux en amour. Car la vieille, car la veille, ce samedi, je t'ai déclaré à Suzanne, dans la soirée, elle avait dit oui. Plus ou moins oui, adorable Susan, aux deux cheveux sombres, à l'adorable petit nez, presque retroussé autant de taches de rousseur et aux grands yeux noirs et doux. C'était la chose la plus merveilleuse qui me fût jamais arrivée. Mais elle l'avait invité à venir aujourd'hui, dans l'après-midi, faire la connaissance de ses parents. Adorable Susan, aux deux cheveux sombres, à l'adorable petit nez, presque retroussé autant de taches de rousseur et aux grands yeux noirs et doux. C'était la chose la plus merveilleuse qui me fût jamais arrivée. Harry, je t'en prie, rentre immédiatement et ramène le docteur. Oui, c'est grand-père. Il a eu une crise d'amnésie. Il a décroché de ses 30 ans cette fois. Il a revenu à l'époque où il n'avait pas encore épousé une grand-mère. Comment est-ce que je vais dire à grand-père que grand-mère est morte? Adorable Susan, aux deux cheveux sombres, à l'adorable petit nez, presque retroussé autant de taches de rousseur et aux grands yeux noirs et doux.